Shook it up. Salut tout le monde. Ce matin, comme tous les matins, je vais voir dans ma boîte aux lettres pour voir s'il y a du courrier, s'il n'y a pas de facture. Et qu'est-ce que je vois? Une grande enveloppe. Je me dis, mais j'ai rien commandé. Puisque j'avais fait la promesse de ne pas commander ce mois-ci, j'y vois. Et puis, ah, tilt! En fait, je vais pas dire son pseudo parce que j'ai peur qu'elle ait trop de demandes après, comme moi j'ai eu quand j'ai fait le cadeau à mamie, c'est que j'ai eu que ça pendant quelques jours. Donc, je vais l'appeler Anonyme. C'est vachement original. Donc, Anonyme m'avait demandé mon adresse postale parce qu'elle voulait m'envoyer, elle voulait me faire un petit cadeau, une petite surprise. Sans me dire ce que c'était, elle m'a dit tu verras c'est vraiment pas grand chose, c'est juste voilà pour te dire que je te trouve sympa et que je voulais t'envoyer un petit truc. Donc je lui ai donné mon adresse postale et sincèrement, je m'attendais à une petite carte ou à une petite chose comme ça quoi pour je sais pas, pour me remercier, voilà tout simplement. Alors ma surprise c'est quand j'ai vu la taille de l'enveloppe, je me disais qu'est-ce que c'est. Donc c'était rempli de papier comme ça, de papier tout froissé, voilà, pour protéger. Il y avait une très 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 gentille lettre. Ça m'a touchée mais à mort, mais vraiment, je te trouve très touchante, vraiment très 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 touchante. Et puis il y avait un petit paquet emballé dans du papier à bulles avec des petits produits. C'est la folie. Donc il y avait deux produits ELF parce qu'elle dit dans sa lettre qu'elle est allergique aux produits ELF, donc au lieu de les garder et de les jeter ou elle a voulu me les donner. Ça tombe super bien parce que j'avais pas ce produit là. C'est le gloss. C'est le gloss pinceau, vous savez, où vous tournez, voilà. Il est super bien. Moi qui ne suis pas très très gloss parce que je trouve que ça colle beaucoup, je viens de le tester, ça colle pas. C'est vraiment chouette, ça sent bon en plus. Il sent très très bon, il sent un peu l'abricot. Vraiment chouette. Et un repulpeur de lèvres, celui-là je ne l'ai pas encore testé. La couleur est superbe, la couleur j'aime beaucoup. Ça me plaît bien. Donc ça je vais le tester, je te dirai ce que j'en pense. En plus il y avait un produit de chez Avon pour les cuticules parce que comme elle dit dans sa lettre, elle en avait marre de voir mes doigts abîmés. C'est vrai que j'ai les doigts très abîmés. Mais ça c'est mon boulot et je vais essayer ce produit là en plus de la crème que je mets d'habitude et on verra bien ce que ça donne. Ils sentent super bon aussi, alors je vous montre un peu à quoi ça ressemble. En fait on dirait un peu un parfum crème, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah ça sent super bon aussi, j'arrive pas à définir l'odeur. Ça sent un peu la pêche. Moi je trouve que ça sent un peu la pêche, donc on en met et puis on masse les cuticules, tout simplement. Donc ça c'est super. Donc elle a vraiment, c'est assez comique parce qu'elle a vraiment ciblé les produits qu'elle me donnait. C'est vraiment des choses que je me servirais, mais alors sûr à 100%. Plus, alors ça c'est vraiment le truc que je m'y attendais pas, alors pas du tout, et c'est super super super. Donc c'est un produit qui vient de chez Sephora, qu'elle avait commandé en double ou même en triple je crois pour sa maman. Et comme sa maman n'a pas fini le pot qu'elle avait acheté, au lieu de jeter le produit, c'est vrai que ce serait bête, c'est quand même un produit Sephora. Donc elle a choisi de me l'envoyer et c'est super ciblé aussi. C'est un... si vous voulez, voilà. Un combleur de rides immédiat, parce que c'est vrai que je me plains souvent de ma fameuse ride d'union
Et je vais tester ça, j'espère que ça marche. Alors, si ça marche, ça serait le comble du bonheur. Ça n'a pas d'odeur. La texture, c'est une texture crème. Je l'ai juste testé juste pour voir un peu la consistance. Et ça fait un petit voile. Un petit voile comme du satin. C'est très agréable. Donc, ça, bon, c'est comme c'est à mettre. Avant le maquillage, ben, je ne vais pas le mettre maintenant parce que je suis maquillée. Donc je testerai ça demain matin et je te dirai quoi. Alors je te fais de très 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 grands bisous. Alors je suis contente parce que sur l'enveloppe, j'ai ton adresse. Donc je vais pouvoir te répondre et voilà, te faire une petite surprise à mon tour. Ça me fait trop plaisir. Je t'adore, je t'adore, tu te reconnaîtras hein, bien sûr. Je te fais de gros bisous. Je vous fais à tous, bien sûr, à tous et à toutes de très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Là, je pense que je vais aller me démaquiller un petit peu et je vais essayer de faire une petite vidéo concours parce que j'ai un peu de retard. Voilà, gros bisous à tout le monde. Je vous aime. Bisous.